C'est parti, beaucoup de minutes de bonheur. De cette quatrième journée tapée par le but occitan, du coup, capté directement. Ballon pour être Dijonais, on va sûrement avoir un jeu au pied de la part de l'ouvreur Dijonais, c'est ça, une chandelle. Stop-moi ici. Un long jeu occupé de passion plutôt. Avec les oreilles dans les yeux. C'est mais... ça. Mais, imperturbable, l'ailier. David, si tu peux aider Manu, Henri, David. La chandelle montée par Fuster. Descendez, noix. Elle est un peu longue. Elle est une fois récupérée par l'ailier qui relance, qui le petit par-dessus. Ah, bien capté par le Dijonais. Capté par les Dijonais finalement. Et Foubé qui s'échappe. Qui est pris dans son temps. Il est pris dans la tenaille. Hein. Placard par Mathis Laforgue. On repart avec les avants. Car on saisit et on est pénalisé, on a roulé. Ça roule alors qu'il y a un contest. Qui peut... 3. Ah. Voilà, on revoit l'action. Petit coupé par-dessus. Bien volé par le deuxième ligne dijonnais. Corentin Foubé qui se fait chasser par les Occitans. Et qui les Occitans voilà, qui mettent une pression défensive monstrueuse sur cette action, on le voit bien. Mathias Blanc qui écarte avec un relais des avants. Et on va se mettre à la faute parce qu'on a roulé sur cette action. Et on offre un deuxième coup de pied pour les Occitans. Et cette fois-ci, ça ne passe, ça passe. Ça passe. Après 27 minutes de jeu, donc Hoche qui ouvre le score ici. Hoche opportuniste, mais Hoche qui quand même depuis 5 bonnes minutes là domine, reprend le lead, hein, comme on dit Manu. Arbitre en 20 secondes. Ce serait sûrement une des dernières actions, donc pourquoi pas marquer avant la pause. Ça ferait du bien au moral côté jeune. Chercher le fond du couloir, le mot annoncé, ça avance. Et tout le monde y va à la presse, que ça va sûrement finir en terre promise. Avec Benjamin Et c'est fait Et c'est du stade Dijonais aplati par Benjamin Nem avec sa chamaille là. Sa chamaille au sol. C'est vous, moi. Il faut qu'on reparte de bonne base. L'essai qui va être transformé, pas corrigé. Et Dijon qui mène son 7 à 3 après 40 minutes de jeu à la mi-temps. Cette rencontre, je vous vois un peu trop. Là, pour le coup, on a été quelques fois dans leur camp. On a fait beaucoup d'erreurs. Ils ont payé notre indiscipline. Ils ont été presque 40 minutes dans notre camp. On a eu le ballon 5 minutes et malheureusement, on prend un essai sur M. Wall où bon, on fait des erreurs. Voilà. Donc juste essayer d'échanger un peu la tendance, de changer la tendance, c'est leur foutre aussi un petit peu la pression, parce qu'ils nous mettent à mal sur leur jeu au pied. Et on est toujours sous pression quoi. Donc voilà. Après on défend bien, il y a 7-3. Bon c'est pas une jolie première mi-temps, j'espère que ce sera mieux en deuxième. Merci. C'est parti, impeccable. Transition parfaite. Nickel. Ouais, tu pourras remettre Gabin le bouton mute de l'arbitre. Voilà. Pas de problème, ça sera parfait. Si ah magnifique au milieu de la touche. Non c'est le premier. Ça est cool hein, peut-être. Non mais dit monsieur l'arbitre. Lancement avec Lucas Yabo, un premier attaquant qui casse un plaquage qui est finalement pris par soufflé. Et il avance ses avant. Sortez rouge. Ça ne sort pas. Avantage en cours. Placard qui ne sort pas. On va sûrement jouer sans avantage avec Jean-Pierre Edipol qui vient en charge. Nouvel avantage pour plaquage haut. Rouge plaquage haut. On a pris la balle gratuite hein, qu'on aime bien. Je parle dessus qui ne sera pas concluant. On va revenir à cette pénalité. Ouais, les joueurs de Hoche sanctionnés, Manu, à deux reprises cette action. Et ouais, puis Hoche hein, qui continue à alimenter le compteur des pénalités. 5 rouges ici, plaquage jour. Et David, si. La pénalité facile cette fois-ci en face des poteaux qui permet à Dijon de mener 10 à 3. Très bonne entame de seconde période des Dijonais, Manu. De quoi sûrement enclencher un maul. C'est maul. Voilà. Allez, oui. Voilà, même endroit que les Dijonais tout à l'heure. Et attention, est-ce que la sanction sera la même? Alors, on regarde la liaison, noir. Chat qui s'organise bien, que le ballon bien au fond. On y va. Chaud. Oh là là, quel magnifique travail. Cyril André, y aller. Cyril André qui y allait aussi. Il y a l'ailier aussi. Alors, toujours Mathieu pas de faute, hein, du côté Dijonais. C'est le même maul. Lâchez.
On a un grand côté qui Ça va être difficile de retenir le signal. Et c'est pénalité. Ils n'auront même pas besoin de transformer. 18. C'est bon, j'ai le dit. Et carton en plus jaune contre Jean-Paul. 18. Ouais, c'est double sanction. Hein. Un double sanction, double lame là. On va regarder le ralenti. Donc Paul Péridi qui est sanctionné. On va avoir une série de changements côté Hoche. Entrée du numéro 19 et numéro 16. Rouge, on va jouer rouge. Donc sortie du talonneur, du coup Clément Balagna, je pense. 16 et 17, t'as dit David ? Alors on a le 19 qui est rentré. On va avoir effectivement le 16 et 17 qui vont rentrer également en jeu. Jean-Paul Péridi avec quel numéro ? Donc on a le 2 et le 1 qui sortent. Ah, ballon bien pris en touche. Pour le 1, oui, c'est ça. Donc, Castor, là, Chistera, bien beau. Le jeu au pied qui sera trop long. Mais il y avait un engagement en cours alors qu'il y a un joueur au sol, Dijonais. Numéro 12. C'est Lucas Liabo. Qui... Les bras travaillent, il n'y a pas de souci. Mais par contre, c'est en retard, donc c'est carton jaune. Les bras travaillent ? Ouais. Oui, il en sort. Il fait l'effort d'en sortir. Ce témoin Rébévou, là, qui est sanctionné. Donc déjà en première mi-temps, c'est le numéro 5. Numéro 5. Pour compter la vigilance des arbitres hein, qui sont justement vigilants et qui sanctionnent le plus justement possible ces gestes-là. Et Dijon qui prend l'avantage de ce match à la 55e. 13 à 10 après la pénalité marquée par Corentin. Fourbé, position toi, mais. C'est qui a fait le lancer là ? C'est Hoche qui a fait le lancer non droit. Ok, oui, dis-moi. C'est pas une position qui est-ce que t'avais le numéro 22 Dijonais ? Je vais te regarder, je vais te dire ça. Une nouvelle fois. Non 20, c'est pas là la faute. C'est là-bas. Une nouvelle fois, ça fait beaucoup Manu là. Hein. Mieux ce match. Pendant ce temps là, Mathieu Vigne, lui, s'élance au hauteur des 22 mètres, décalé sur les 15. Pas de problème, sans souci, et il permet à Hoche de passer devant. On a égalisé 13 partout. Là, l'équipe qui va prendre une pénalité va certainement. On a un changement effectivement médical à côté Hoche. Regarde l'action et magnifique offload. Super, passé. Attention, il faut un plaqué de contre 1. Oh, c'est l'essai. L'essai de Hoche, Kylian Jules Cordier qui vient inscrire cet essai. Peut-être l'essai de la victoire pour Hoche. Essai du numéro 22, Jules Cordier. Ah, c'était un peu la confusion cette action, Manu. Il y avait des joueurs au sol, des joueurs un peu apathiques. Et les joueurs de Hoche qui en ont profité sur cette relance. La passe après contact. C'est vrai que on voit l'action, regarde, ça sort de cette zone-là. Tu peux décrire l'action. C'est ça, hein, c'est sur ce jeu au sol. Donc c'est Gabin Kem qui a marqué, hein, pour qui a scoré. Ah, c'est Gabin Kem, pardon. Excuse-moi, j'ai le numéro 20. Ah, c'est le numéro 20. C'est pas arrêté, 20. Donc il va falloir, okay. Et on voit le numéro 20, c'est le numéro magnifique. Ça, excusez-moi, qui va en terre promise sur sur deux contre un d'école, hein, on peut le dire, Manu, parfaitement joué. Mais c'est sûr que la fin de l'action. Alors, pour moi, Dijon a ce point de bonus défensif, hein, mais il leur en faut plus. On sait que l'objectif cette année, c'est d'être invaincu à domicile. Oh, il y a peut-être un an avant là, non ? Dit monsieur l'arbitre, attention à ne pas non plus tomber dans la confusion dans cette fin de match. Ah, et puis les joueurs de Hoche, ça y est, qui dans le désordre. Ah, c'est fait ! Alors, il y a des espaces de partout là en cette fin de rencontre. Ça s'ouvre les portes. Et un avantage en cours côté Hoche, on va se rendre à l'extérieur. Le numéro 7 avec Cordier Kiranavik qui rentre dans le terrain à plaquage loupé. Oh, magnifique ! Ouh ! Il est repris. Pikengo annoncé là. On part au pré avec les avants. L'avantage, toujours l'avantage. On a toujours l'avantage. Plaquage Géo. Nouvel avantage, même Claude. Sortez-moi, il se fait retourner à Parcoiri. Non, c'est vous qui lui mettez dessus. C'est bon, j'ai vu. Jeu au pied, énormément contré. On va revenir à l'avantage. Le 22, il part devant. On va revenir ici. On est à cette pénalité contre les Dijonais. C'est dur pour eux en cette fin de rencontre. Ah ouais. Et là, ça va faire trop peur. On a eu le 13. Dans les 15, là, il n'y est pas. Mais bon, ça devrait être une formalité pour Mathieu Vigne qui passe cette pénalité, 18 à 13, il reste 21-13, pardon, il reste moins d'une minute de jeu à jouer. Ça semble compromis là pour une journée et qui en plus... Avantage en jeu, c'est on repart une nouvelle fois, on est plaqué toujours, on arrive, on se rapproche des poteaux. Nous, pick and go à venir, on est à 3 cette fois-ci. C'est bon, rouge. Plaquage. Il y a toujours cet avantage qui est en cours. On y est parti, on est repris. Pourquoi pas jouer large, il y a l'avantage. Lâchez les mains. On préfère jouer dans le side, je crois, cette fois-ci. Avec Lucas Liabo en premier attaquant.
Mais s'arrêter. Hein, repris, essai. Non, non, repris. Il est dans leur but. Là, il est sous le poteau. On est sous les perches. Ça tremble. Ça tremble. Les poteaux tremblent. On va revenir. Et on va revenir à cette pénalité. On va revenir. On voit le. Regarde, je sais pas si tu peux. Et ça passe. 21-16. Il reste une action. Ça sera la dernière. Le renvoi. On l'imagine très court de la part. Les joueurs de Hoche pour aller sécuriser cette victoire. 5 petits points d'écart entre les deux équipes. L'autre équipe remporte le match. Alors, des deux côtés, les supporters comment dirais-je, dans les commentaires, sont stressés. La ferrule. On pense aux Occitans chez eux. On pense aux Dijon ici. Et la victoire est là. Et c'est fini. Elle est là, la victoire. Il y a même un carton. Oh, à là terminer là-dessus. Dommage. Non, c'est là. C'est là. Carton pour Tom Kerry. Et ça en suivra donc le buteur Mathieu Vigne qui s'élance. Ça va passer entre les poteaux. Victoire de Hoche 24-16 qui vient chercher une très belle victoire ici en Bourgogne. Une victoire presque capitale pour eux et pour les Dijonais. Et bien c'est une défaite qui fait mal. C'est la douche froide.